It's now time for member statements. Déclaration des députés. Member for Meshkigawak, James. Le député Meshkigawak Bay James. Merci, Monsieur le Président. Je me demandais à quoi parler, c'est mon member statement, mais tout ce qui se passe cette semaine sur la francophonie, je peux pas m'empêcher d'en parler. Je peux vous dire qu'on a vu les vraies couleurs des conservateurs cette semaine. J'ai eu la chance de parler avec plusieurs personnes à travers la province à propos de la francophonie, puis tous sont très déçus. On est déçus que nos droits ne sont pas respectés, nos droits constitutionnels, puis qu'encore on était bourrés de s'assassiner. On a la chance au gouvernement de faire la bonne chose et de supporter une motion pour l'université et rétablir notre commissaire en langue française. Mais ils ont failli à la tâche, puis ils nous ont donné un autre gifle d'en face à la communauté francophone. Je peux vous dire que en fin de semaine, décembre le 1er, je peux vous dire qu'il va y avoir près de 5000 francophones qui vont crier sur toutes les tribunes. Crier parce que c'est nos droits, c'est notre province, puis c'est notre place. Puis j'ai hâte que vous réalisiez notre place, c'est dans l'Ontario, autant que vous, tout le reste qui ne nous supporte pas, comme du Parti conservateur. Parce que vous avez la chance de faire la bonne chose et de reconnaître les franco-ontariens. Et comme j'ai été très déçu un matin quand j'ai entendu mon premier ministre dire en anglais « even though », je peux vous dire qu'on voit bien de quel bois qu'il chauffe aussi à montrer ses vraies couleurs envers la francophonie. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, la députée de Richmond Hill. Monsieur le Président, j'ai assisté au 26e anniversaire de l'Association d'affaires sino-canadiennes. J'étais impressionné du fait qu'il y avait un grand nombre de chefs de file du monde des affaires. C'est une association qui fait partie de l'association des associations d'affaires sino-canadiennes. J'étais en fait présidente du passé de cette entité qui a pour objectif de soutenir les entreprises. Notamment, nous avons des réunions de réseautage pour que les entreprises chinoises peuvent s'intégrer. Nous créons des relations avec tous les ordres du gouvernement. Nous organisons des séminaires pour la gestion financière, la sécurité et d'autres sujets. Cette association constitue une façon de relier la Chine et le Canada et permettre la croissance économique tout en soutenant la croissance économique en Ontario. L'Ontario est ouverte aux affaires, Monsieur le Président, grâce à ce genre de travail. La députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Oshawa a une histoire de 140 ans d'excellence dans le secteur automobile. J'ai fait une visite guidée le jour où on célébrait le 100e anniversaire de GM. C'était à peine il y a 3 semaines. Nous avons eu une excellente relation avec GM. Nous avons favorisé l'essor de ce secteur depuis longtemps, mais Oshawa a créé GM. Ma communauté a été bouleversée par la nouvelle que GM Canada n'investira pas à Oshawa et il n'y aura pas de production après décembre 2019. Notre collectivité ne mérite pas cette situation. On parle de milliers d'emplois payants qui paient les frais de scolarité, les médicaments et les régimes de retraite. On parle de dizaines de milliers d'emplois associés dans la chaîne d'approvisionnement. Certains de ces emplois sont à risque si GM abandonne Oshawa. Nous voulons créer ce genre d'emplois et nous en avons des milliers ici, mais le gouvernement ne les protégera pas. Après un appel téléphonique, le premier ministre a jeté l'éponge et a dit qu'il ne pouvait rien faire, mais il pourrait être en solidarité avec nous. Les travailleurs d'Oshawa croient qu'il y a une raison de se battre. Nous ne savons pas comment cette situation finira, mais en fait, ça vaut la peine de nous battre. La députée d'Etobicoke Lakeshore.
À Etobicoke Lakeshore, il y a eu d'importants visiteurs, par exemple le ministre Jakubowski. Il était à deux reprises le ministre Clark qui a parlé de la station Go à Mimico, ainsi que pour annoncer un partenariat concernant la nouvelle station. Le ministre des Finances, même le premier ministre, y était pour annoncer la bière à 1 $. Nous sommes tous d'accord qu'il y aura davantage de visiteurs importants dans cette collectivité. En fait, le Père Noël vient à Lakeshore. Le 27e défilé aura lieu samedi et Père Noël y sera. Le village de Lakeshore et la zone d'amélioration commerciale de cette région travaillent fort pour que ce défilé soit excellent. J'espère avoir l'occasion de voir le Père Noël. La députée de Waterloo, j'ai eu le plaisir de visiter l'hôpital vétérinaire de ma circonscription qui fournit des services pour animaux domestiques. East Village est une entité sans but lucratif, mais pendant deux décennies, ces cliniques n'ont pas pu être classifiées comme organismes de bienfaisance. Cette entité veut changer la situation et demande au gouvernement de permettre à ces cliniques d'être classifiées comme organismes de bienfaisance. Ça ne va pas toucher la province sur le plan financier, mais c'est la bonne chose à faire. Ce changement permettra à cet hôpital qui s'occupe des animaux domestiques, des gens à faible revenu, avoir un animal domestique réduit le fardeau sur le reste de la santé et, en fait, réduit l'incidence de santé, des troubles de santé mentale. On a entendu parler d'un client qui a appris que cet hôpital pourrait l'aider. Elle était donc très optimiste. Nous devrions nous efforcer à aider des organisations comme cet hôpital. J'ai hâte de soutenir cet hôpital dans leur lutte pour être classifié comme organisme de bienfaisance. C'est la bonne chose à faire. La députée de Scarborough-Guildwood. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre la parole et de parler au nom de l'intervenant en faveur des enfants. Plus tôt aujourd'hui, Anna May Troy, Bailey, Elizabeth et des centaines d'enfants étaient dans les jardins du Sud pour entendre les histoires de ces jeunes vulnérables. Le système ne fonctionne pas et, en fait, ils se sentaient écoutés par l'intervenant. Ce sont de tristes histoires. Je demande au gouvernement conservateur de restaurer le poste d'intervenant en faveur des enfants et de protéger les jeunes de la province. Je remercie Erwin Ellman, qui détient ce poste depuis plus d'une décennie. La première occasion du gouvernement conservateur d'expliquer leur plan pour l'avenir contenait des compressions tout à fait dommageables aux hauts fonctionnaires, notamment l'intervenant en faveur des enfants. L'intervenant écoute les enfants vulnérables qui ont besoin d'aide et donc c'est tout simplement une façon de réaliser des économies. Les jeunes pris en charge, les jeunes avec des handicaps doivent se faire entendre. Et donc, je demande au gouvernement de changer d'avis concernant cette décision. Déclaration des députés, le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. Ce week-end dernier, j'ai eu l'occasion d'assister à la Fishability Dinner. C'est un club de pêche pour jeunes et adultes handicapés. C'est un groupe inclusif qui élimine des obstacles en
fait preuve du fait que tout est possible. C'était en fait mon chien Max qui m'a parlé de ce groupe. En fait, Vicky Hillier lui avait donné une petite collation. Je remercie Vicky, Keith et tous les bénévoles qui ont fait de cette activité un succès. Merci de m'avoir informé de cette cause et merci de m'avoir permis de mieux comprendre les obstacles auxquels font face les gens avec des handicaps. Nous serons en mesure de rendre l'Ontario plus inclusif pour que tout le monde puisse accéder aux mêmes avantages. Merci. La députée de Nickelbelt. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais partager un message de Chantal Chartrand qui vit à Cape Breal. Elle m'a dit, je vous écris pour faire preuve de mes préoccupations concernant les temps d'attente pour le diagnostic d'autisme et les services associés. Ensuite, elle a dit, moi, j'ai deux enfants avec des déficiences intellectuelles, Emily et Valérie. Les deux ont des problèmes développementaux. Valérie reçoit des thérapies depuis 2017, mais elle a dû attendre 12 mois avant d'accéder à ces services et on lui a dit que une autre thérapie commencera à partir de 2019. Elle est reconnaissante et au début, elle ne parlait pas, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Après avoir reçu son diagnostic, elle a demandé quelle était la prochaine étape. Et donc, on a recommandé une thérapie comportementale. Mais il y a une liste d'attente de 3 ans. Elle aura 6 ans pour un enfant de 3 ans. 3 ans, c'est une longue échéance. Nous voulons que le gouvernement comprenne que la vie de ces enfants dépend de l'accès à ces services. Donc, faites en sorte que ces services soient disponibles aux enfants autistes, notamment dans la circonscription de Nickelbelt. Déclaration de député, la députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour vous dire à quel point je suis déçu par la décision de General Motors de fermer son usine de montage à Oshawa. Les voitures ont été fabriquées à Oshawa depuis un siècle. Des milliers de mes commettants, leurs amis, leurs familles travaillent à GM ou ont travaillé à GM par le passé. Je voudrais dire aux gens d'Oshawa et de Durham que les travailleurs et les familles touchées, je suis en solidarité avec vous et je vais continuer de vous défendre. GM nous a indiqué qu'il abandonne les travailleurs de cette région, mais Oshawa et Durham seront en mesure de subir cette situation. Notre gouvernement pour la population travaillera fort pour faire revenir des emplois payants à cette région. Des années de mauvaise gestion économique ont été au détriment des familles innocentes. Nous, en tant que législateurs et législatrices, devons créer des conditions économiques qui nous permettront de faire en sorte qu'Oshawa soit ouverte aux affaires. Je suis en solidarité avec mes collègues de cette Assemblée. Je vous promets que nous réaliserons cet objectif. Déclaration des députés. Le député de Parry Sound Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour remercier les groupes communautaires et les entreprises locales qui s'unissent pour que le Père Noël puisse venir dans notre collectivité. À Huntsville et Bracebridge, les défilés de Père Noël sont organisés par les clubs Rotary. À Parry Sound par le Club Optimus et ailleurs par la Chambre du commerce. Les clubs de Léon organisent les défilés à McTeer et Baysville et à Berks Falls et Sunbridge.
Les défilés sont organisés par les municipalités. Les entreprises font beaucoup de travail pour ces défilés, y compris Kimberly Clark, qui participe au défilé depuis 20 ans. Mais son cadeau, le Noël, n'est pas le même. Donc je remercie toutes les organisations qui font la collecte de cadeaux pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Il y a énormément de groupes qui participent à ces défilés, mais je voudrais saluer l'armée du salut qui font ce travail en fait pendant toute l'année, que ce soit une collecte de cadeaux ou d'aliments. Nous reconnaissons les efforts de ces organismes. Les efforts sont appréciés par les récipiendaires et par la collectivité dans son ensemble. J'ai hâte de donner des boîtes à chaussures. Et si vous êtes en mesure de donner à ces compagnes, veuillez le faire. Le temps pour les déclarations des députés est écoulé. Rapport des comités. La députée